Je m'appelle Clément Revel, je suis élève chez Ligne et Formation dans la section reporter photo avec une option de retouche numérique. J'avais pour projet un peu de bouger, voir un peu de pays avec mon appareil photo et puis sans vouloir couper les ponts avec la formation scolaire. Alors une formation à distance, ça s'y prêtait plutôt pas mal et Ligne et Formation, c'est la première que j'ai trouvée et il y a eu un contact. Qui s'est très bien déroulé, donc je suis parti dans cette ligne-là. Alors, en fait, j'ai une organisation un peu discontinue, mais finalement, ça se passe assez bien quand j'arrive à m'imposer une assez bonne rigueur. Et pour les outils, je me servais beaucoup du site internet de l'école, notamment l'espace élève avec le compte rendu des notes ou par exemple, de stage, il y avait des propositions de stage professionnels. Sur certains devoirs, je demandais des aides aux professeurs, donc par des rendez-vous téléphoniques. Et puis, bah, sinon, je trouvais que ça se passait plutôt bien, le retour était assez rapide. Et puis, il y avait des corrections, des commentaires qui s'avéraient des fois assez utiles, parce qu'on fouillait ensuite et ça permettait d'avancer, de progresser. J'ai beaucoup aimé le stage avec les autres élèves parce que ça a été assez intensif mais et très constructif. Et puis les projets professionnels qui permettaient de cadrer assez bien, par exemple des reportages sportifs à faire, qui m'ont servi par la suite parce que j'ai fait d'autres reportages pour des associations, des événements. Je passerai par le même chemin, c'est-à-dire quelque chose par correspondance qui me laisse ma liberté, mon autonomie, tout en ayant un fil conducteur et des aides possibles, en fait.